Bonjour toutes et à tous, l'ami c'est Galet de Toulon, on se retrouve pour la vidéo du lundi matin, il est 8h56 quand je vais lancer le rec à l'instant les gars, voilà je vous le dis, pourquoi cette vidéo matinale? Tout simplement parce que la saison redébute à 9h et du coup dans 2 minutes 50, nouvelle saison, qui dit nouvelle saison dit point star, j'ai explosé mon record, je spoil, parce que je vous ai fait des vidéos du rush, des 25 000, des 26 000 trophées que je publierai cette semaine, voire ce week-end, je sais pas encore quand, mais du coup voilà, mon record absolu sera de 26 126, on peut lancer une dernière game juste avant que la saison se termine. Je suis avec Bomi, on va essayer de se faire quand même quelques games et bien sûr de voir les points stars arriver et passer peut-être les 150 000, ce qui serait quand même un record absolu en France, même si je sais qu'il y a toujours un mec meilleur dans le monde, vous allez toujours réussir à me trouver la petite pépite qui a plus, bande d'escrocs, mais en gros je pense que le record, enfin le but qu'on s'était fixé, d'essayer d'avoir un maximum de points stars et quand même atteint, parce que vraiment là quand même on a envoyé du lourd. N'oubliez pas les copains, pendant qu'on est en matchmaking, d'exploser les pouces bleus, ces vidéos points stars en général plaisent énormément. C'est vrai qu'en général j'allume la... enfin j'ouvre l'application au moment de récolter les points stars. Là j'ai décidé qu'on se fasse les 2-3 minutes avant, comme ça on se fait une game, les points stars, après on se refait encore une autre game ou deux autres games, voilà. C'est toujours plus sympa, il y aura pas de cut dans cette vidéo les gars, je vous le dis, le matchmaking, même s'il est long, tant pis c'est comme ça, je me suis levé tôt pour vous, la famille, faut faire des concessions. N'oubliez pas le code créateur les gars, ceux qui l'ont pas rentré, il se reset pour beaucoup en plus le lundi, donc n'hésitez pas à le re-rentrer, Gaël, GAEL. Ça fait super plaisir. Merci à tous pour le soutien. C'est vraiment cool. Tous les commentaires gentils aussi sous les vidéos. Ça fait chaud au cœur. Alors, on va essayer de pas faire un moins, les gars. Donc, le top 3 rapporte moins 1, les gars. Je suis à plus de 800. Donc, faut faire obligatoirement top 1, top 2 si on veut essayer de pas trop se faire déboîter. Bon, là, on a un pot tranquille. Voilà, c'est pas... pas que ce soit, pas que ce soit dingue. Hein. C'est pas le start d'une vie non plus. Il y a qu'un pot. Si on peut aller gratter un peu le mid, ça me va. Alors, il y a Jinjin et Jesse. Ils sont pas mal. Hop là, calme-toi, Minote. Alors. Ouais, bon, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Si on laissait les points de vie remonter, les gars, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que la stratégie est bonne? Je suis un peu stressé, les gars. C'est le matin, c'est normal, voilà. Je suis pas aussi à l'aise que sur certaines vidéos. Voilà, les gars, je tenais quand même à vous le dire. Si jamais on vient à perdre un maximum... De soutien, voilà, soutien à tonton. Bon, Bomi, là, sa tourelle, c'est pas ouf parce qu'on a que deux pots, mais en vrai, la tourelle de Jesse, elle est pas inintéressante parce qu'elle peut quand même nous sortir de situations compliquées. Elle peut aussi éviter qu'on se fasse rush parce que, bah, elle met quand même de dégâts, hein. C'est pas... Je préfère le mortier de Penny parce que ça vise toute la map, que c'est un truc de ouf. Mais c'est pas mal, c'est pas mal, on est pas mal. On a encore 5, ça c'est la mauvaise nouvelle par contre, parce que là pour le coup, si on fait un top 4, top 5, même si, de toute façon, mon record de saison ne sera pas battu. Donc clairement, c'est une game qui compte pour du beurre, hein. Voilà, on est là pour s'amuser entre copains, mais elle ne révolutionnera pas ma saison. La saison, franchement, elle a bien bien tryhard, et j'ai pris conscience d'un truc les gars, c'est qu'en fin de compte, c'est chaud de, c'est vraiment devenu chaud de tryhard, enfin de battre ses records, parce qu'on, bah, je vais vous dire un truc basique, hein. Mais on a de plus en plus de brawlers, ça vous le saviez, 32, et du coup, bah, c'est vraiment long en fait, c'est vraiment devenu très très long de monter les 32 brawlers déjà à 800 trophées, avant de penser à en monter 1000, donc à l'époque, on va dire, voilà, il y avait 25, 28 brawlers, ça montait quand même plus vite, là, monter 32 brawlers à 800, pas que ce soit compliqué les gars, c'est franchement c'est faisable. Ok, donc on est en top 2, mais je vous assure que ça prend un temps, c'est un truc de fou, j'ai passé ma vie à rush une saison, enfin je passe ma vie à jouer de toute façon, mais ok, on s'est fait des pop, top 2, c'est plutôt pas mal normalement, on va récupérer les points stars, il est 9h00 sur mon ordi au moment où je vous parle là, à l'heure actuelle, donc normalement ça va partir directement sur les points stars. Le petit Jean, il a 878 et ok, on est parti. Alors, on en chope 320, ok, ok, bon là ça s'enchaîne, on débriefera ça juste après les gars, en tout cas j'espère vraiment, vraiment, vraiment que vous m'aurez défoncé ces petits pouces bleus là, le petit pouce bleu c'est important, on est à 7800, je crois que c'est un tout petit peu mieux, je crois que j'ai fait 7780 la saison où j'ai fait les 20, non même un peu moins, putain je sais plus les gars, 7200, en tout cas c'est mon record absolu, hein. J'ai jamais été aussi haut donc c'est forcément mon record. Est-ce qu'on fait un screen ou pas les copains, qu'en pensez-vous? Moi je pense que ça mérite son screen parce que c'est quand même pas mal, voilà, 7800 points stars, si jamais il y a des chanceux qui ont réussi à en avoir, je pense que vous êtes nombreux à en avoir, peut-être certains pas beaucoup, mais bah, l'essentiel c'est d'en gratter 1000, 2000, 3000, hein. Au fur et à mesure, avec le marathon star et tout, ça monte. Mais dites-moi un petit peu combien vous en avez eu. Et je pense que c'est le moment de les récupérer, les gars. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà.
Tranquillou. Alors, Raptor hebdomadaire disponible. Temps d'écran moyen. Oh merde, 8h51 minutes. C'est déconné, les gars. Ah, je devrais vous le virer, les gars. Je ne suis pas un geek, ne croyez pas que je suis un geek. Non, c'est vrai que j'avoue que c'est déconné. Je joue beaucoup trop. Promis, en 2020, je joue un peu moins. Non, en 2021. En 2021, je jouerai un peu moins. 2020, on va tryhard encore. Mais ouais, je passe beaucoup de temps, les gars. Malheureusement, il n'y a rien sans rien. Et du coup, vous l'avez rentré ou pas, les gars? Sérieusement, regardez-moi dans les yeux. Est-ce que vous l'avez rentré? Code Gaël, la famille. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous voulez qu'on prenne pas notre petit Daryl? Il est où le petit Daryl? Il est là. En vrai, on peut se le tenter. Je l'aime bien, Daryl. C'est assez bourrin. C'est rigolo. Je suis un peu dégoûté qu'il n'y ait pas plus d'offres. Enfin, qu'il n'y ait pas des tickets, des coins doubleurs. D'ailleurs, on a fermé un peu les boîtes, les gars. J'en ai 601. On est pas mal, on est en train de récupérer les boîtes, voilà, parce que pour ceux qui ont loupé les vidéos pack opening que j'avais fait pour débloquer BA et Max, putain je suis amnésique, j'ai cramé, ouais, je préfère même plus en parler les gars, je crois qu'on a cramé 800 boîtes ou 900 boîtes, enfin c'était affreux, c'était un pack opening, j'avais le sourire au début, à la fin j'étais en larmes, plus de 400 boîtes pour débloquer BA, plus de 400 pour Max, c'est le prochain brawler les gars, je vous jure, j'espère vraiment que, ah je vais m'acheter un porte-bonheur, je crois que je vais m'acheter un porte-bonheur, un truc comme ça, j'y crois pas trop, mais il va falloir que je me mette à y croire, parce que c'est pas possible les gars, 400 boîtes là, ça nous coûte trop cher, ça nous revient trop cher les gars, j'en ai 600 là, il faut qu'on les garde un peu, même si j'ai beaucoup de tickets, hein. Sauf que je suis face à une problématique les gars, c'est que j'avais 6000 coins doubleurs, 6000 doubleurs de jetons, et je les ai cramés à une vitesse, hallucinant, donc j'en ai racheté pour 150 gemmes, mais en vrai ça va me coûter 1000 gemmes si j'achète des coins doubleurs à chaque fois, pour doubler tout ça, donc c'est pas dingo, est-ce qu'il veut pas me grab un petit grab le frérot ou pas, un petit grab, Bomi? Il a pas envie, c'est lundi les gars, faut le laisser se réveiller le frérot. Voilà, il a pas envie de faire un petit grab à tonton, pourtant un petit mortis, je l'aurais bien des pop. Ok, lui il est naze, autant le crever. Voilà, ouais c'est pas beau les gars, c'est pas beau. Le tuer, on veut l'exterminer cette espèce d'escroc de mortis là. En tout cas mortis, enfin on va dire que peu importe mortis ou pas, mais à partir du moment où le mec avec Daryl vous allez le reset, vous allez lui foncer dessus, ça va le reset une petite seconde, mais du coup ça va être déterminant parce que vous pouvez mettre vos trois coups sur lui. Et lui, malheureusement, tant pis pour lui, d'ailleurs, on s'en fout, mais le temps qu'il se réveille, le collègue, il sera malheureusement décédé, voilà, oui, ça, je sais que c'est dur, je sais que Brawl Stars, ça fait de la peine. Est-ce que Bomi, oh là là, Bomi, c'est un des meilleurs joueurs français en grab, non, je rigole, c'est un monstre, mais alors, sur le grab, je sais pas, il y a un problème de visée, il y a un problème psychologique, il se met une pression, le frérot, et il arrive, ouais... On va voir. Peut-être que je l'ai un peu piqué, là. Peut-être qu'il va nous mettre des grappes du futur, là. C'est un mec qui fait un peu le booster pour en obtenir le meilleur, les gars. C'est comme ça. Bon, c'est un copain, je rigole, bien sûr, les gars. Vous dites pas, putain, Gaël, il parle mal de ses mates, quand même. Oh. Bomi, c'est la famille et tout. Non, non, Bomi, c'est un copain. Alors là, par contre, j'ai fait le foufou parce que là, on est mort, là. On est mort ou pas? Non, on est dans le soin, en vrai. Et je suis un mec qui meurt dans le soin, moi. Voilà. Sachez-le. Bomi 41 PV, bon, en vrai, top 2, c'est bien, top 2, c'est très très bien, surtout qu'on joue en mode, comme ils disent, en mode chill, en mode décontract, en mode cool, on n'a pas d'objectif, on est de la peace and love, non, moi, ça, c'est un truc que je connais pas, moi, j'ai jamais réussi à jouer en mode chill, en fait, style en mode détente, moi, dès que je joue, faut que ce soit la compète, je sais pas si vous avez ce problème aussi, mais voilà, je vous avais pas dit qu'il y avait des coins doubleurs, les gars, je vous l'ai dit ou pas? Je vous l'avais dit, voilà, sauf que vous m'écoutez pas, est-ce que vous voulez qu'on achète ce skin que je trouve éclaté, mais il est en solde? Enfin, je trouve pas éclaté, mais en vrai, sur Brock, on a des skins tellement, tellement mieux. Style celui-là, skin de ouf. Skin que je trouve sympa, c'est celui-là aussi. Franchement, enfin, les skins de Brock, je les aime beaucoup. D'ailleurs, on va pas les prendre, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, voilà, tranquille. On va garder, on va s'acheter ça, 59 gemmes. Putain, les gemmes, j'en avais plein. Ça part vite, hein. Ça part vraiment vite, on est à 649. Est-ce que vous voulez qu'on le prenne? On le prend ou pas, les gars? On le prend histoire de cramer des gemmes? Vas-y, on le prend. J'ai envie de dépenser des gemmes. J'ai envie d'avoir tous les skins. J'ai pris trop de retard sur les skins, les gars. Je sais pas pourquoi on sait pas. C'est vrai que ça m'excite pas plus que ça. Et du coup, on va se les acheter tranquillou. Mais qu'est-ce que je veux dire? On arrête de papoter, on se refait une game ou quoi, les gars? Parce que moi, je tape la causette là. On va repartir un petit peu. Au moins, encore une petite game. Pas faire une vidéo trop longue non plus, hein. C'est pas le but le lundi matin. En général, j'envoie pas des vidéos d'une demi-heure. C'est pas trop mon style. Mais ça fait plaisir de vous retrouver, voilà, c'est quand même une nouvelle saison, quels sont les objectifs qu'on va se fixer cette saison, les copains, je pense que ce serait bien de refaire encore 26 000, après, est-ce que je vais pas essayer de rusher plutôt les brawlers 1000, voilà, c'est ce que je voulais vous demander, est-ce qu'on essaie de rusher 3 ou 4 brawlers 1000 cette saison, ou est-ce qu'on essaie de rusher le global, c'est-à-dire au moins 26 500 pour faire mieux que la saison qu'on a faite, c'est vraiment vous les patrons. Sachez juste un truc, c'est qu'on est avantagé dans les deux situations, parce que, bah, on est reset plus haut, du coup, j'ai même pas vu à comment on est reset, mais forcément que plus vous finissez la saison
autant de trophées, plus vous commencez la saison d'après, ce qui est un peu logique, hein, en même temps, vu qu'il vous enlève des trophées, donc plus vous en avez, plus vous en gardez. Alors, on va essayer de se prendre la boîte, là, j'ai l'impression qu'il veut me faire un truc bizarre, là, Shelly, là. Ok, on va se prendre cette boîte-là. Alors, Mortis, comme je l'ai dit, je m'en fous, mais son collègue Beau, s'il joue bien, c'est grave, grave chiant. Shelly aussi, un maximum de respect pour Shelly, les gars, ça peut faire très, très, très mal. J'ai un Korbach aussi, un Korbach, je peux le défoncer, mais il faut juste pas qu'il ait son saut. Est-ce que on leur fonce dessus? Eh ouais, non, c'est pas ouf. C'est pas ouf, ça. C'est pas ouf du tout, ce qu'il me propose, là. Oh non, putain, mais je vais me casser, moi. Cassez-vous, putain, mais... Ok, bon, on n'a pas eu le choix, le mid était pris. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Est-ce que Bomi va pouvoir survivre? Alors, Bomi chasse un Léon dans l'immédiat. Je vous cache pas qu'il aurait... Il se serait caché, ça m'aurait pas dérangé. Est-ce qu'il grabe le Léon? Ou pas? Quand je respawn? Non, il vaut mieux pas grabe grand-chose, là. Ouais, si, bien joué, Bomi. Vous voyez, les gars, je vous ai pas dit tout à l'heure, je l'ai un peu piqué. J'ai stimulé, là. Là, en vrai, Bomi, là, il se dit qu'un truc, c'est je montre à Gaël qui c'est le patron. Je vais lui montrer comment on grabe. Il est déter, le frérot. Alors, on n'est plus qu'à team, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que on fera pas top 5, déjà, les gars. Et ça, c'est plutôt bien, parce que là, je sens que c'est une game qui est éclatée, complet. Le Léon, il nous touche pas. Et par contre, il a son ulti, le Léon. Alors, pas qu'on le craigne, on n'a pas des brawlers trop vulnérables, on va dire, au corps à corps. Voilà, je l'ai pas reset, là. Par exemple, je l'ai pas reset, là. Énorme erreur de ma part, parce que du coup, même s'il avait pas beaucoup de peau, vous avez vu qu'il a... Il nous a mis quand même pas mal de dégâts. Ouais, je tente un coup de poker. Je me suis fait éclater, mais je leur ai mis un espèce de bordel, là, la folie. Alors, Bomi, il régale, Bomi, en fait, les gars. Il a placé un grab, il a tué le mec tout seul. Par contre, est-ce que vous êtes conscient qu'on va faire top 2, les gars? Parce que là, ils sont à 13 peau, ils sont sous ulti. Bomi, il m'a fait un joli grab, le frérot. Et je tente un ulti auto-shoot dégueulasse, ok. Je me fais victime, c'est vrai, je me suis fait un peu victime, mais début de saison... Des contracts, la team avait 13 pots avant de nous défoncer, 16 à la fin, donc on pouvait pas vraiment test. Plutôt une vidéo sympa, voilà, on s'est fait 2+7, je crois, les gars. On s'est fait 2+7, donc un petit 14 trophées pris, juste avant on a fait une game, je sais même plus comment on a fait, mais on s'en fout, en vrai, c'était en mode tranquillou. On a récupéré un maximum de points star, on est à 151 887. Franchement, les gars... Ça me fait plaisir, j'espère vraiment que les skins avec, ben voilà, des skins exclusifs avec des points stars arriveront bientôt. Alors normalement, ça devrait arriver, les gars. Ils nous ont pas fait gagner des points stars comme ça pour qu'on les garde. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, les copains. Dites-moi combien vous avez eu de points stars, à combien vous avez fini la saison dernière en trophée. Dites-moi ça en commentaire, que je vois un petit peu si dans mes abonnés, il y a des prodiges, des champions. En tout cas, merci beaucoup à vous, les copains. J'espère que vous aurez défoncé les pouces bleus. À très bientôt. Ciao, ciao.